Hello, good morning Internet, bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, avant j'habitais à New York et là je viens de m'installer à Paris. Alors je suis coach certifiée en relations amoureuses et également en psychologie, c'est la raison pour laquelle je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'analyse en profondeur les différentes stratégies affectives de nos célébrités, pour vous donner les meilleurs conseils, les meilleures astuces afin que vous aussi vous puissiez être dans des couples stables, équilibrés et être en hypergamie. Alors, je vous rappelle que je suis nouvelle sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également partager la vidéo. Mon mail est ci-dessus, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec moi, soit pour que je puisse traiter un sujet en particulier sur ma chaîne ou si tout simplement vous avez besoin d'un accompagnement, besoin de conseils personnalisés par rapport à vos choix amoureux. Alors, le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de Megan Good. Megan Very Very Good. Et de Devon Franklin, qui est son ex-mari. Et je vais évoquer ici les vraies raisons de leur divorce, les vraies raisons de leur séparation. On verra également avec qui Megan Good est actuellement en couple. Et c'est une véritable catastrophe. Megan Good est une actrice afro-américaine. Elle est issue d'une famille équilibrée, stable, normale. Sa mère est agent artistique et donc c'est elle qui va la pousser dès l'âge de 4 ans à se diriger vers la carrière d'actrice. Megan va faire ses premiers pas dans le domaine de l'audiovisuel. Au début, elle va commencer avec des petits rôles en tant que figurante et puis petit à petit, elle va prendre du galant, elle va prendre également de l'ampleur et elle aura des rôles un peu plus importants à chaque fois. Elle va être, par exemple, le rôle de la petite amie, typiquement de l'acteur principal. Et puis, avec l'âge, en fait, elle va prendre des rôles beaucoup plus sexy. Elle va notamment apparaître dans des films très connus comme Eva ou également dans West Deep. Donc, la carrière de Megan est très importante. Elle, c'est vraiment une chose importante à laquelle elle tient. Elle connaît rien d'autre en fait à part le domaine justement de l'acting. Elle ne connaît rien d'autre à part justement sa carrière dans le domaine de l'audiovisuel. C'est important pour elle et donc pour elle, il n'y a que ça qui compte. Devon Franklin est un Afro-Américain. Il ne grandit pas dans une cellule familiale qui est stable puisque ses parents divorcent en fait quand il est très jeune et qui va être élevé plus tard par sa mère, sa grand-mère et ses sœurs. Et donc son père meurt également quand il est jeune, donc son père meurt d'un cancer à l'âge de 36 ans, ce qui fait qu'il n'a pas vraiment grandi avec une figure paternelle assez intéressante ou assez imposante qui allait le guider justement dans ses choix plus tard. Et donc Devon a vraiment, lui, envie plus tard d'avoir une famille équilibrée, d'avoir une famille qui est stable, une famille qui est traditionnelle. C'est pour ça, en fait, qu'il va rechercher ça, il va vraiment rechercher ces éléments plus tard dans sa vie d'adulte. Alors, au niveau de sa carrière, il va être producteur, il va également être auteur et surtout, il va être pasteur. Pasteur, mais un peu traditionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il va prôner les valeurs du mariage, il va prôner les valeurs justement de chasteté, les valeurs vraiment très traditionnelles liées à l'Église que l'on connaît tous. Avant de rencontrer Devon, Megan Good avait vraiment des comportements un petit peu toxiques. Elle fumait beaucoup, elle buvait beaucoup, elle était très sexy, elle s'habillait vraiment de manière provocante, ce qui était en fait en alignement avec les rôles qu'elle avait à Hollywood, puisque c'est ce que Hollywood demande en fait. Pour être vue à Hollywood, il faut être un petit peu dans l'extravagance. Et c'est ce qu'en fait elle faisait par rapport à sa carrière, puisque c'est une femme qui est très carriériste. Et pour elle, il n'y a que sa carrière qui compte. Et plus en fait, on va prendre de l'âge à Hollywood en tant que femme, plus ça sera difficile pour nous en fait de se positionner. C'est pour ça qu'elle savait très bien que vouloir être actrice à Hollywood et avoir des enfants, en fait, c'était pas très compatible. Vouloir faire carrière à Hollywood et être traditionnelle, c'est pas non plus compatible. C'est pour ça que dès le départ, elle s'est dit, elle ne veut pas d'enfants. Et voilà, elle s'éloigne un petit peu de l'image traditionnelle de la femme qu'on aurait de manière à peu près normale. Et donc, elle ne veut pas d'enfants, sa carrière passe avant tout. Elle boit, elle fume, elle ne croit pas non plus spécialement en Dieu. Elle vit sa vie, en fait, sans limite, sans crainte de quoi que ce soit. Devon étant producteur et Megan étant actrice, ils vont naturellement se rencontrer sur leur lieu de travail. Et donc, ils vont se rencontrer sur le tournage d'un film qui s'appelle Jumping the Broom, dans lequel Megan va jouer. Alors, Megan plus tard racontera que Dieu lui a parlé en personne et que Dieu lui a dit que Devon était l'homme de sa vie, mais que pour qu'ils puissent être ensemble, il fallait qu'elle puisse arrêter de boire, de fumer, vraiment arrêter ses comportements toxiques. Et puis, les choses vont très vite entre ces deux-là. Ils vont se marier au bout de 6 mois. Premier red flag. Ensuite,
Devon va en fait revoir ses critères à la baisse. Lui qui voulait une femme traditionnelle, lui qui voulait une femme qui reste à la maison, lui qui voulait avoir des enfants, lui qui voulait également une femme qui allait supporter sa vision en tant que pasteur, il comprend très vite qu'en fait, avec Meghan, ça va pas être possible parce que c'est pas en fait ce à quoi elle aspire. En fait, bah lui, parce qu'il est amoureux, il va se dire, ok, je mettrai ça de côté, en fait, on verra ça plus tard, mais j'aime Meghan et on va être ensemble, period. Meghan, elle aussi, son style de vie était complètement en inadéquation avec ce que Devon voulait pour épouse. Mais en fait, elle aussi va décider de faire des efforts. Elle va arrêter de fumer, elle va arrêter de boire, elle va arrêter de s'habiller de manière extravagante, elle va commencer à être vraiment traditionnelle, vraiment changer son style vestimentaire. Et puis, elle va également décider de congeler ses ovules. Pourtant, elle savait qu'elle ne voulait pas avoir des enfants, mais elle s'est dit, bon, je vais faire un effort par rapport à Devon pour que la relation puisse fonctionner, et donc je vais aller congeler mes ovules au cas où plus tard je déciderai d'être maman. Ça, c'est vraiment les premiers red flags que j'ai vus par rapport à ce genre, à cette relation là. Donc, vous n'avez, si vous voulez changer, très bien, mais changez pour vous en fait. Ne changez pas pour un homme, ne changez pas pour avoir un homme. C'est très dangereux parce que si vous n'êtes pas en adéquation avec qui vous êtes profondément, la relation ne pourra pas être stable, la relation ne pourra pas être crédible et perpétuée sur la durée. Devon et Meghan vont se marier. Le public les adore, les médias les adorent, tout le monde les trouve beaux, super bien assortis ensemble, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils aiment Jésus, tout va bien pour le meilleur du monde. Et donc c'est vraiment cette image lisse qu'ils vont vendre aux médias, d'abord parce qu'elle est en cohérence avec les activités pastorales de Devon, puisqu'il a une église, il a donc des fidèles qui viennent, et donc il a une image à tenir par rapport à ce qu'il va prêcher aux autres. Et bah c'est pareil pour Meghan Good, parce qu'en fait, à Hollywood, puisqu'elle est devenue maintenant très conservatrice, eh bien les rôles vont se faire de plus en plus rares. Et puis, il va donc falloir renflouer les caisses. Et ils auront cette idée justement de pouvoir écrire et de pouvoir vendre un livre qui s'appelle The Weight, dans lequel ils vont tout simplement raconter leur histoire. Ils vont dire à quel point c'est bien d'être chaste, ils vont dire à quel point c'est bien d'attendre, ils vont dire à quel point c'est bien d'aimer Jésus, et donc de rester vierge jusqu'au mariage, etc. Ou du moins d'être célibate. Vous voyez vraiment des choses en fait bien construites, etc., bien traditionnelles. Le problème, c'est qu'il y a une incohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, principalement pour Meghan Good. Meghan Good, elle prêche le fait d'être célibate, etc., mais c'est aussi elle qui va avoir des vêtements beaucoup trop moulants, des vêtements beaucoup trop sexy, notamment sur le tapis rouge. Elle va accepter des rôles où elle va devoir embrasser des garçons, etc., etc. Donc c'est un peu paradoxal entre ce qu'elle dit et ce qu'elle va faire en fait, vous voyez. Et cette incohérence en fait est criée et décriée notamment dans le milieu justement de l'église où ils vont. Les gens en fait ne comprennent pas que Meghan soit aussi dénudée, alors que lorsqu'on est à l'église justement, le but c'est d'être traditionnel, c'est le but de se couvrir pour respecter Dieu, etc., etc. Donc les gens lui disent, mais tu es hypocrite en fait, on ne comprend pas ton double jeu, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et en fait, le malaise va être de plus en plus grandissant entre Devon, l'église et Meghan Good en fait. Et ils vont quand même continuer à respecter, on va dire, à faire au moins semblant vis-à-vis du public. Et puis, il y a également un problème lié à la conception. Devon, c'est quand même un homme qui aime les traditions, c'est un homme qui aspire à être père de famille, parce que pour lui, c'est important, en tant qu'homme de Dieu, il ne peut pas dire que je ne veux pas d'enfants plus tard, parce que les enfants, comme on dit, viennent de Dieu, etc. Donc en fait, il y a une incohérence entre ce qu'il va prêcher et ce qu'il va vivre dans sa vraie vie. Meghan Good, elle ne veut pas d'enfants, parce qu'elle sait que si elle a des enfants, bah, ça mettra un terme à sa carrière, tout simplement. Donc il y a vraiment une incohérence, une incompréhension entre ces deux-là. Et puis Meghan Good, bah, elle n'est pas faite pour être une femme traditionnelle, en fait. C'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle aime, c'est pas la vraie elle. Sa vraie elle, c'est voilà, elle aime vivre sa meilleure vie, elle aime vivre pour elle, en fait. Et elle en avait marre, tout simplement, bah, de devoir jouer en permanence un rôle, à la fois pour son mari, mais aussi pour l'église et aussi pour le public. Et puis, tout simplement, bah, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de divorcer. Devon va demander le divorce au bout de 9 ans de mariage. Alors que justement, ils avaient l'air d'être très heureux sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Ils faisaient des posts l'un de l'autre, etc. C'est vraiment pour vous dire que ne croyez pas à cette histoire de couple goal, entre guillemets. Ne croyez pas en fait à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on vous montre une photo sur laquelle une personne a l'air d'être heureuse qu'elle est vraiment heureuse dans la vraie vie, en fait. Il n'y a pas de couple goal, il n'y a pas de couple parfait, en fait. C'est vous et vous-même qui allez créer votre couple. Donc faites les choses pour vous et surtout, bah, ne croyez pas tout ce que les médias vous montrent, en fait. Ne croyez pas non plus tout ce que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Instagram est là pour vous vendre du rêve. Ne croyez surtout pas que c'est la vraie vie, ne croyez pas que c'est la réalité.
Alors, les raisons du divorce, selon moi, sont liées justement à l'incompatibilité. Meghan voulait vivre sa vie, en fait, voulait faire les choses à sa manière, et Devon voulait une femme traditionnelle qui reste à la maison et qui lui fait des enfants, en fait. Sauf que les deux visions étaient incompatibles. C'est pour ça qu'il est important, dès le départ, de prendre le temps de commencer à discuter avec votre partenaire. 6 mois, ce n'est pas assez, en fait, pour se marier. 6 mois, c'est beaucoup trop court pour prendre la décision la plus cruciale et la plus importante de votre vie. Et puis, je pense qu'il est également important de s'aligner par rapport aux valeurs. L'amour, c'est bien, mais comme je dis toujours, l'amour, c'est un sentiment en fait qui va être éphémère. Donc, si vous voulez que votre couple soit solide, il faut des valeurs précises, des valeurs solides sur lesquelles vous allez devoir vous appuyer. Et ces deux-là n'avaient pas les mêmes valeurs. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce couple n'a pas tenu, selon moi, en plus de l'argument justement des enfants. Meghan ne voulait pas en avoir, elle a fait congé ses ovules. Et lui, en fait, il voulait être un petit peu pressé. Et surtout, il vivait aussi pour l'image des autres, finalement, parce qu'il avait une église et donc il avait un rôle à tenir. Donc ça, pour moi, ce sont les vraies raisons pour lesquelles ils ne sont plus ensemble. Mais j'ai entendu d'autres rumeurs comme quoi il serait gay et c'est la raison pour laquelle Meghan a demandé le divorce. Mais en fait, c'est lui qui a demandé le divorce déjà d'une part. Et puis de l'autre, j'ai aucune confirmation par rapport à ça. Donc je ne pourrais pas vraiment parler de cet argument-là. Et puis, il y a également ce qu'on appelle du trash talk de Devon sur Meghan, en fait. Comme maintenant, il prêche à l'église, en fait. En gros, il prêche aux hommes de ne pas, entre guillemets, tomber amoureux des femmes comme Meghan. En gros, des femmes un peu frivoles, des femmes avec des comportements toxiques, etc. Donc, en fait, il y a un petit peu une petite guéguerre entre ces deux-là de manière interposée. C'est intéressant à voir, c'est intéressant à analyser. Quelques mois après son divorce, Meghan Good est de nouveau sur le marché du dating. Vous savez ce que j'en pense? Je pense qu'elle aurait dû prendre plus de temps pour se concentrer sur elle, pour soigner ses blessures, etc. Parce qu'un divorce, finalement, c'est comme un deuil. Et donc, Meghan Good, elle va décider également d'ouvrir ses options, ce qui est une très bonne chose. Ça peut être intéressant pour vous d'aller voir ailleurs ce qui se passe, d'aller voir si vous êtes plus compatible avec d'autres personnes. Mais le problème, c'est que Meghan Good va décider de dater un rappeur, et un rappeur qui s'appelle Disaster, qui veut dire désastre en anglais, et c'est véritablement un désastre. Quand vous décidez d'ouvrir vos options, visez au moins le top du top de cette communauté. Ne prenez pas en fait le bas étage de cette communauté. Parce qu'il y aura des hommes dans votre propre communauté qui seront entre guillemets mieux que ces hommes-là en fait. Donc c'est typiquement le cas avec Meghan. Elle est passée d'un pasteur à un rappeur, plus un rappeur qui n'est même pas connu, un rappeur qui n'a pas l'air d'être un homme équilibré, d'être un homme stable. On voit avec ses tatouages, avec ses tresses, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc Meghan Good, vraiment, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Je pense qu'elle va peut-être s'amuser un petit peu, j'espère pour elle. Mais en tout cas, j'espère qu'elle ne va pas commencer à avoir des relations, une relation solide avec cet individu. Parce que je pense que elle fait de l'hypogamie là. Elle est en pleine hypogamie. Et puis, je pense qu'elle mérite mieux. Il y a des hommes beaucoup plus corrects et des hommes beaucoup plus stables, équilibrés et successful en fait que Disaster. Alors, il y a beaucoup de leçons à retenir de toute cette histoire. La première est que vous devez comprendre que l'amour est un sentiment qui est éphémère. L'amour va passer. Vous devez construire votre couple sur des bases qui sont solides, sur des bases qui sont stables. Ces bases peuvent être typiquement des valeurs communes. Ces bases peuvent être la compatibilité ou également le fait d'avoir des intérêts qui vont matcher. Et c'est de là, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se connaître bien avant, ils se sont mariés au bout de 6 mois. 6 mois, ce n'est pas assez pour connaître un homme, en fait. 6 mois, ce n'est pas assez pour vraiment étudier son partenaire. Donc en fait, ils ont été aveuglés par l'amour et se sont précipités comme ça pour se marier, etc. Donc l'amour, c'est bien, mais vous devez comprendre que plus le temps va avancer, plus l'amour va baisser. Donc vous devez avoir des acquis vraiment solides sur lesquels vous pourrez vous appuyer pour continuer à être ensemble. Ensuite, vous ne devez pas en fait changer pour un homme. Si vous voulez vraiment changer et faire des efforts, faites-le pour vous en fait. Si ce que vous êtes profondément n'est pas en adéquation avec le rôle social que vous devez jouer, ben, en fait, il y aura forcément une cassure quelque part. Ça veut dire que si vous aimez la liberté, etc., etc., et que votre rôle en fait, c'est d'être une femme traditionnelle devant les autres, ben, en fait, il y aura forcément une incompatibilité, il y aura quelque chose qui va casser en fait. Vous ne pourrez pas porter ce masque social toute votre vie, c'est pas possible en fait. Vous pourrez le faire pendant un moment, mais pas sur une période qui sera en fait longue. Et puis, bah, comme j'ai dit, prenez le temps avant de vous marier. 6 mois, c'est pas assez pour se connaître. 6 mois, c'est beaucoup trop court. Il faut au minimum un an pour bien connaître l'autre, pour le voir dans tous ses états et pour vraiment commencer à voir sa vraie personnalité tout simplement. Et puis, il y a également un truc important qu'il faut retenir, c'est le regard des autres. En fait, si vous vivez pour les autres, vraiment, vous n'allez pas vivre votre vie. Vivez pour vous, faites les choses pour vous, en fait, peu importe ce que les autres vont dire. Au final, c'est vous qui allez vivre votre vie. Donc, soyez au moins heureux dans votre vie, en fait, tout simplement.
Et puis, faites en sorte qu'il y ait toujours une cohérence entre ce que vous êtes au plus profond de vous et ce que vous voulez faire croire au monde. Parce que vous ne pourrez pas, une fois de plus, jouer ce jeu durant une longue période. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez, likez et également partagez. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter et je vous dis à la prochaine.